Y'a les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur mon nouveau coup de jap qui sort de derrière les fagots. Alors je voulais pas montrer celui-là en vidéo, c'est pour ça que dernièrement j'ai pas trop sorti de vidéo. J'avais pas trop le temps et mon temps je le passais à farm ce compte là pour obtenir 300 DS. Donc j'ai fait deux mutis. Enfin on va expliquer un peu la chose, tranquillement. Alors ce compte là, je l'ai pris avec quoi? Donc c'est un reroll de base. C'est un reroll où il y avait qui dessus? Il y avait El Famoso, Vegeto et l'air, donc le Goku et le Vegeta qui à la fin se transforment en Vegeto et l'air quand il passe en dessous de la barre des 50% de PV. Et bien sûr El Famoso, Gohan et l'air, donc un petit reroll doublé l'air, pas trop mal. Voilà, j'avais eu le DC-17, j'ai eu voilà des petites SSR par-ci par-là qui sont pas très ouf. Et après avoir eu ce reroll, j'avais fait deux multi. La première sans SSR et la deuxième avec un Beerus puits et un Zamasu puits. Donc autant vous dire que niveau motivation, il y a mieux que ça pour continuer. Mais je me suis dit quoi? Je me suis dit que on allait tester de rush 300 DS pour faire 8 multis. Donc 3 plus une gratuite sur le portail de Gogeta et 3 plus une gratuite sur le portail de Vegeta encore une fois. Pour essayer d'avoir un deuxième LR ou un leader catégorie, un truc qui nous met bien. Du coup aujourd'hui on va lâcher 300 DS sur ce portail plus 10 tickets d'ailleurs qu'on a eu. Et ça va décider de l'avenir de ce compte jap hein. L'avenir de ce compte jap se joue aujourd'hui à cet instant précis. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour donner de la force. Ah je suis comme un ouf les gars hein. Je suis comme un ouf, enfin, le micro là je suis à deux doigts de le péter là en bougeant. Parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps que je farm quand j'ai du temps. Et que là, si ça tombe pas, ça va faire très très mal. Donc je compte sur vous pour un maximum de soutien. Première multi sur le Gogeta. Freeze. Ça commence bien. Deux capsules. Un deuxième freeze. Ça n'arrive jamais d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment, mais l'essentiel c'est de voir ce qu'on va obtenir. Ici, on commence par un sel. Deuxième forme qui fait pas plaisir, un Vegeta. Ah, c'est horrible là, c'est. Passer du temps à farm et après faire les invocations derrière, c'est horrible. Ah, c'est parti sur un commando génie ou c'est comment là pour cette multi? Un Goku SSJ3J que je voulais pas du tout. Voilà, oh là là là. Bon, on va espérer mieux. On va espérer mieux, les gars. Première multi, un SSR. Je l'avais pas forcément, mais forcément, c'est pas celui-là qu'on veut. Et on va repartir de plus belle. On veut le Gogeta. Donc, le Goku et le Vegeta Ange End. Ici, le Gogeta End ferait grave plaisir aussi. On a un petit babaï, les gars. Donc, SSR garanti. Et ça, ça fait plaisir. Voyons voir si c'est nécessaire du détecteur ou non. On commence par un gros port de cyborg. Je sais plus si c'est 19. Parce qu'à chaque fois, je me trompe entre Dr. Gero et lui. Si c'est 19 ou c'est 20. Allez, Noria. Le Goku qui se docane en Goku. Un Dabura. C'est 18. Encore un Noria. Non! Mais non! Mais pourquoi tu me trolls comme ça? Mais non! Mais non! Mais non! Mais non, les gars! Non, il y a un bug dans la matrice là! Non, c'est pas possible! Non, c'est pas possible! C'est pas possible, les gars! C'est pas possible! C'est pas possible! On va faire une multi-ticket pour équilibrer la chose! Parce que c'est pas possible là! Ce qui se passe tout de suite n'est pas possible! Bon, la multi-ticket, je pense pas qu'elle nous apportera grand chose, je vous dis la vérité. Sauf s'il n'y a jamais un LR qui tombe dedans. Ok, zéro capsule. Ça n'annonce rien de bon. Un Bardock SCJ qui fait plaisir. J'avais déjà, je crois, je sais plus. Ok, ça fait plaisir. Un petit Raditz. Un C17. Un deuxième C17. Je sais plus c'est lequel qui est des enfers, mais bref. Un Frieza. Pan.
Bon, on n'aura pas de deuxième SSR du coup, même si c'était la première de la Muti. Ah, c'est la Muti DC-17 et dépend. Bon, d'accord. On a eu quand même Badak, ça fait plaisir. Et du coup... Est-ce qu'on repart sur ce portail-là ou on tente sur le Végéto? Je pense qu'on va tester une Muti sur le Végéto pour tâter le terrain. Donc vous voyez que le portail part dans 42 heures. C'est le moment de commencer un reroll d'ailleurs, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. Si vous pouvez gratter la promo en plus, c'est toujours mieux. Allez, un petit SSJ2. C18. Nappa. Goku et SSJ Blue Tech. Mais je m'en bats les steaks. Mais pourquoi j'ai que des SSR hors détecteur? Mais c'est pas croyable. Oh, ça fait la troisième de suite, les gars. Oh là 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 là. Mais non! Mais non! Mais je me fais full troll! Mais putain! Mais je me fais full troll! Mais vas-y! Mais je me fais full troll! Oh, j'en ai marre! Oh là 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 là. Bon, écoutez, je pense que mon aventure sur la Jap va s'arrêter ici. Sur ce nouveau compte Jap. On garde espoir, on garde espoir. Mais bon, je vous avoue que là, toutes les multis sont SSR. Les deux sont SSR. Toutes les multis avec SSR en détecteur, les deux capsules. C'est. Voilà, ça, franchement, ça saoule de ouf. Enfin, SSJ3, mais bon, ça va peut-être encore être un perso. Perso folle ou un perso qu'on veut pas. Enfin, c'est même très probable. Sachant qu'il y a un détecteur où il y a plus d'une dizaine de persos, c'est... Ah, je vous avoue que là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Goku, ah. Allez, lâche-moi un truc. Ah, je suis perplexe, là. Ouais. Ouais, non. Non, c'est pas ouf, hein. Je vous dis la vérité, c'est pas ouf, hein. Végéto Blue, c'est pas ouf du tout, hein. Je vous dis la vérité, même si... Ah non, non, mais ouais, non, mais... Ouais, non, mais j'attendais... Oh, je suis désolé, mais j'attendais mieux. Non, mais je suis désolé, mais ça va, il rentre dans la team Potara, mais j'attendais mieux. J'attendais mieux. Honnêtement, j'attendais mieux. Ah, on va refaire la Muti ici. Il nous manque 4 Muti. Est-ce que sur les 4 Muti, on aura autre chose ou pas? Merci à tous les frérots qui m'envoient de la force en mettant des pouces bleus avec les abonnements, etc. On a atteint les 4000. Ça fait grave plaisir, merci à vous. Et c'est J2. 6 capsules. Donc il y a une bonne chance pour qu'on ait quelque chose, mais c'est pas sûr à 100%. Yami. Le petit Trunks. Vegeta. Bujin. Raditz. Janemba. Est-ce que ça va être la Muti qui va me carotte ou pas? Ah là là, une Muti carotte. Aïe 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 aïe. Une Muti carotte. Bon, on fait la gratuite. On fait la gratuite. Je pense pas qu'il y aura beaucoup. Il y aura grand chose sur la gratuite. Hein. Une, deux, trois, quatre capsules. Arc-en-ciel, il se transforme. Un petit SSJ2. Ouais, putain, nice. Nice, putain, enfin. Putain. Ah, je m'en fous, j'insulte full dans cette vidéo, je m'en bats les couilles. Oh là là, je suis tellement soulagé de l'avoir eu. Nice, putain, nice, enfin. Enfin quelque chose, bordel. Oh, ça me rendait ouf. Oh, ça me rendait fou. J'ai les deux LR sur ce compte. J'ai le Gogeta et j'ai le Végéto. Putain, yes. Ah, c'est bon, les gars. 300 DS, Végéto, Blue, plus Gogeta LR. Soulagé. Soulagé d'avoir farmé. J'ai pas perdu mon temps pour rien. Au moins, c'est la carte qu'il fallait, tu vois. Même si derrière, il y a rien, c'est la carte qu'il fallait pour sauver le truc. C'est vraiment la carte qu'il fallait.
Bon, on espère quand même avoir quelque chose sur Végéto parce qu'il faut pas déconner. Mais ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et ça fait grave plaisir encore une fois. N'hésitez pas à péter la barre de pouces bleus. C'est tellement fou. Ça fait grave plaisir. Enfin quelque chose. Punaise, je me suis fait troll jusqu'à la fin. Mais ça va, ça va. Pff, soulagé. Soulagé. Ouais, j'avoue, j'ai insulté la multi gratuite, les gars. Plus jamais j'insulte la multi gratuite. Faut plus jamais le faire. Attendez. Ça va. Ça va. Ça va. Le petit bruit de craquement qui fait plaisir. Mais bon, est-ce que ça va être un SSR qu'on veut ou pas? C'est ça la question. Kid Buu, pourquoi pas? Ça fait plaisir. Bon, c'est pas le perso que je voulais spécialement, mais ça fait plaisir. C'est une très très bonne unité. Bon, il rentre pas du tout dans la team Int avec Végéto et l'air. Mais je suis content. Je suis content, honnêtement. J'aurais largement préféré avoir un Végéto End. Ou un Végéto. Super Végéto End. Hein, super Végéto End. Mais bon, content, content, très content. Très content du Kid Buu. C'est juste vu que c'est un début de compte, j'aurais préféré avoir un perso qui rentre direct dans la team. Parce que celui-là, il va manquer pas mal de ki, donc ça va être chaud pour l'intégrer dedans. Mais ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et on est content. Ok, bon. Bon, bon, bon. La dernière multi, c'est pas mal du tout, mais je reste un poil sur ma faim. Parce que j'aurais aimé avoir un super Végéto ou un Black Goku rosé, un truc avec des potara quoi, qui est plutôt pas dégueu, tu vois. Parce que le Végéto Blue, il est pas mal, mais et voilà, voilà, le Végéto N, c'est vraiment ça. Merci aux frères qui s'est abonné, ça fait grave plaisir. Une capsule, bon, c'est la multi gratuite. Tout à l'heure, elle nous a ramené le LR. Pourquoi pas cette fois un double? Non, honnêtement, ça va, mais il manque un petit truc pour que je sois totalement satisfait. Mais ça fait grave plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que ça va être une multi carotte ou pas? Je ne sais pas. Il n'y avait qu'une seule capsule. Tout est possible. Un petit couleur. Végéta. Ok, Yami. Ah! Non, je suis content. Honnêtement, très bonne unité. Très bonne unité. S'il y avait un perso hors détecteur qu'il fallait qu'il sorte, je suis très content que ça soit lui. Excellent. Tu peux le mettre dans la team avec Gogeta et l'air, pourquoi pas. Même s'il va manquer de ki. C'est un bloqueur de spé. Spé farmable. Il débuff la défense. Excellent. Excellente unité. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Il manquerait un petit Végéto, super Végéto pour avoir la team Arc-Bou. Mais honnêtement, il est très très bon. Un des meilleurs persos hors détecteur que vous pouvez avoir. Hors d'aucun festival. Hors d'aucun festival. Excellent perso. Excellent perso. Après, c'est pas ce qu'on visait, mais voilà. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà. Que dire? Que dire à part qu'on a quand même. On a quand même un peu volé la chose. Hein. On va pas se mentir. C'est pas mal. Hein. Bon, 3 pour 300 DS. On va dire c'est la qualité des SSR qui fait la chose. C'est la qualité parce que j'aurais pas eu le deuxième LR. Ah, je me serais pissé dessus. Hein. Ah, je me serais pissé dessus. J'aurais pas eu le deuxième LR, je me serais pissé dessus. ça aurait été incroyable. Hein. J'aurais pas eu le deuxième LR. Ah, j'aurais chialé. Hein. Ah, j'aurais été en sang. Mais du coup, on a eu. On est content. Je sais pas si je vais partir sur une team plutôt Végéto, Blue en leader avec les deux LR dedans plus le Gohan. Ou si je garde ma team Int, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour le moment. Du coup, on a eu pas mal de trucs. Je garde ce compte. Je vais aller le farm. C'est un compte qui a un triplé l'air dessus quand même. Un bon triplé l'air. Et puis voilà, écoutez, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner si ça vous a plu. Allez checker mon Twitter qui est dans la description et le Discord. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.